jest. Trzeba mi już. Raz teraz też. Woo!
są chodzi. Się boją, ja wiesz, towarzysz. Co ty są sobą? Silence. C'est bon? Je ne sais pas quoi dire. J'attendais que mon fils arrive ici pour parler. Je suis le papa de Ketch. C'est moi qui viens d'ouvrir le cercueil. Je suis désolé de constater que la Russie et le Gabon ne fournissent pas assez d'efforts dans l'administration. Je suis encore désolé de constater que madame l'ambassadeur ou quoi qui est là-bas, là, madame Joanna, fait des publications au niveau du Gabon jusqu'à l'Union en disant que l'enfant est mort de maladie. C'est du mensonge. Il faut choisir les gens qu'on envoie en administration, je suis désolé. Et là, je viens de constater, je viens d'ouvrir le cercueil de mon fils. Je n'ai même plus besoin d'autopsie. Sa tête a été ouverte. Justice. Ici, au niveau du cœur, c'est ouvert, recousu. J'ai des correspondances de madame en question là, je ne voudrais pas citer le nom. J'ai sa correspondance qu'elle envoie aux affaires étrangères en disant que les conditions de mort ne sont pas élucidées. Et dans l'Union, elle vous fait comprendre qu'il est mort par maladie. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne mérite pas son poste. Je suis désolé. Je vais plus loin. Elle a déclaré 4 situations où on a retrouvé l'enfant. Dans un premier temps, l'enfant était retrouvé. Moi, je suis venu ici. Ils m'ont fait comprendre que l'enfant a vu lever son cœur, s'est arrêté. Mensonge. C'est un sportif. C'est un sportif. Un sportif de haut niveau. Il a représenté la Russie 3 fois. Il a eu 3 médailles. J'ai les médailles. Voilà. De l'autre côté, c'est mon fils, il n'a jamais souffert. S'il avait souffert, il nous l'aurait dit. Et là, la veille, le vendredi en question, nous avons tous dans la maison parlé à Ketch. Il nous a répondu par vidéo. Il n'avait pas de problème de santé. Il préparait son test et il ne pouvait pas aller boire. Là encore, mensonge. L'ambassade de la Russie ici, je suis venu 4 fois. Ils m'ont entretenu 2 fois. Le reste, ils étaient obligés de communiquer par message parce qu'ils savaient ce qui s'est passé en Russie et ils nous ont caché. Voilà. Donc, depuis le 12 décembre, dans la nuit, ils l'ont sorti de la maison, ils l'ont assassiné. Ils l'ont entraîné à l'extérieur de la ville pour jeter le corps. On vient de le constater, on a ouvert le cercueil. C'est des assassins. Sincèrement, je ne vois plus qui en Afrique voudrait envoyer son enfant via Rakus en Russie. Et là, sincèrement, je demande au gouvernement de la Russie, au gouvernement du Gabon, de prendre les mesures nécessaires pour élucider les causes de la mort de mon enfant. Désormais, nous savons exactement ce qui est passé. Nous avons vu le corps. Okay. Et là, une contre-expertise va être faite. Okay. Voilà. Merci. Justice pour Ketch. Thank you.
Il devait partir.